Soleil, voix, lumière, écho des lumières, soleil, cœur, lumière, rouleau des lumières. Moi, dessous, dessous, maintenant. Toujours plus dessous, par-dessous, toujours plus dérobé, plus caché, de plus en plus replié, discret, sans cesse en train d'écouter, de s'en aller, de couler, de tourner, monter, s'imprimer, voler. Soleil, cœur, point de cœur, passant par le cœur. Il va falloir rester réveillé maintenant, absolument réveillé, volonté rentrer, répéter, le temps de quitter ce cœur, simplement le temps qu'il se mette enfin comme il voudra, quand il voudra, de la dure ou douce façon qu'il voudra, bien peu de choses en vérité, n'est-ce pas, poussière de poussière, bien peu, très très peu, comme on exagère, comme on a tendance à grossir, tout ça, moi, en vérité, presque rien, côtoiement d'illusions, couverture du cœur d'illusions. Aujourd'hui, et aujourd'hui, j'écris le cœur d'aujourd'hui, et hier, j'écrivais aujourd'hui, et demain, j'écrirai aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, et rien qu'aujourd'hui, on devrait l'écrire au jour nuit. Différentes manières d'être un jour, en suivant ses nuits, dans la nuit, salle de séjour noire, bleue, blanche, j'attends le vide à sa tranche, qu'il décide ou non de bouger, de claquer, si je reste comme ça réveillé. Le coup va venir, c'est fini, le coup va revenir cette fois vraiment, c'est fini. Un, deux, trois, pas tout à fait trois, et de nouveau, un, deux et puis trois. On est au cœur du cœur maintenant, dans le cœur du cœur battant, se taisant. C'est lui qui creuse, c'est lui qui poursuit, c'est lui qui sait ce qu'il faut savoir pour continuer dans la nuit. On n'ira jamais assez vite pour coïncider avec lui, pour rejoindre son instinct fibré, sa folie. Un muscle, dites-vous, seulement un muscle, au fond, d'après vous. Soleil, cœur, voix, cœur, germe en lui, de lui, tout en lui. Voilà, le vent s'est levé de nouveau maintenant. Et je suis là de nouveau comme écrivant le temps de nouveau, comme si le temps pouvait n'être rien d'autre que des lignes recoupant des lignes à la ligne. Là, comme au bout du monde, ne tenant plus que par un bout de bord à ce monde. Droite, diagonale, angle, cadran, demi-cercle, rayon revenant au centre, cours des astres reflété comme ça par le centre. Danse en cours avec moi, reflet du danseur dans la nuit. Moi, spectre, et moi, poison d'ombre, moi, squelette abstrait, mangé par son ombre. Pas tout à fait cependant, pas encore tout à fait, déclic. Sursaut, nerf, juste assez pour tracer conduit ce qui suit. Voilà, on y va, le concert reprend sa cadence, joie, joie, voilà, c'est reparti, ça se suit. En effet, un important groupe de tâches, s'étendant sur près de 300 000 kilomètres, se déplace en direction du centre du disque solaire. Selon un observatoire de Rhénanie-Westphalie, elle devrait l'atteindre le 8 ou le 9 avril. Et ce phénomène qui pourrait perturber l'atmosphère terrestre est une des conséquences de la formidable activité que le Soleil connaîtra au cours de l'année. Elle entraînera cette activité, un comble de nervosité, d'inexplicable fatigue, des dissolutions, dépressions, décompositions, des morts anticipées, convoitées, brusquées, un supplément de crimes, de frimes, des séparations, guerres, convulsions, récriminations, falsifications, dissimulations, leucémisations, cancérisations, expulsions, bref, un état général de crible agité en nœud du tissu rongé des ponctions, une frénésie, négation, des apoplexies, plein poumon, des attaques et des contre-attaques, rupture de vaisseaux, inondation des cerveaux, disjonction des systèmes...